On s'en souvient encore aujourd'hui parce que ça nous a beaucoup marqué. C'est inimaginable qu'on puisse avoir autant de pluie en si peu de temps. On ne voyait que de l'eau. On serait imaginé au bord de la mer. C'était un nuage qui s'est crevé sur place. Chez nous, nous étions avec des amis à jouer aux cartes jusqu'à minuit. On s'est rendu compte dans les phares de la voiture que c'était un véritable ruisseau. On ne pouvait plus différencier la route du fossé. Donc là, vraiment, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu et on était très inquiets. Et à ce moment-là, le maire de la commune est arrivé. Il avait reçu un appel téléphonique de quelqu'un qui habitait dans la rue du Nord. Ils ont eu beaucoup de difficultés à aller à la maison d'où on avait appelé. L'eau leur montait jusqu'à la ceinture. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. On a été obligé de faire marche arrière parce qu'on ne pouvait plus avancer. Donc les pompiers ont été appelés. Et dès qu'ils sont arrivés, il y a un bateau qui a été mis dans la rue du Nord. Et on a trouvé Juliette et sa maman assis sur une table. Elles avaient chacune leur chat dans leurs bras. Comme elles sortaient de leur maison, il y a tout un pan de mur qui s'est écroulé. Heureusement, elles étaient du bon côté de la maison qui n'a pas bougé. Autrement, si elles avaient tombé dans l'eau, ça aurait été le plus terrible des accidents qu'il puisse y avoir. Elles ont passé la nuit chez nous et le lendemain matin, heureusement qu'elles avaient de la famille à Meignier parce qu'elles n'avaient plus d'habits, plus de maison. Moi je dormais, je n'entendais rien. C'est mon épouse qui a entendu un bruit comme si on était en montagne. Effectivement, quand elle m'a réveillé, on s'est aperçu que l'eau venait par la porte de la chaufferie extérieure. Je me suis mis au long de la porte aussitôt. Ça a poussé la porte, ça m'a couché par terre, ça a éventré la cloison, la baignoire en fonte, ça l'a mis sans dessus-dessous. Et dans l'espace de 10 minutes, la maison était pleine d'eau. Là, c'est un véritable étang. Et là, ça descendait. Dans l'espace de 20 minutes, il y en a eu 1,50 m. C'est pourquoi, pour sauver les torillons qui étaient à l'attache dans les tables dans le bas, quand les pompiers sont arrivés, on a mis un câble du grenier au hangar, ce qui m'a permis de me tenir pour aller sortir tous les torillons qui étaient à l'attache dans les tables dans le bas. Il y en avait ma main qui avait cassé sa chaîne et je ne lui voyais plus que la tête au-dessus de l'eau. L'eau est à la hauteur des taureaux. Par contre, sous le hangar, nous avions à ce moment-là des lapins angora. Alors les deux cases les plus basses, tous les lapins ont noyé. On avait un chien qui a été tué par un éboulement du mur. On avait un cochon qui a été noyé. On a appris par la suite qu'il y a 19 ambulances qui ont roulé toute la nuit pour évacuer tous les enfants. Parce que les ambulances à l'arrivée juste en bordure, et ils ont réussi à évacuer les enfants tout à fait au départ, et dans l'espace d'une demi-heure, l'eau passait par-dessus les toits des voitures. Tous les sous-sols de la Tremblay ont été inondés, et dans les sous-sols de la Tremblay, il y avait toutes les réserves alimentaires, les réserves sanitaires aussi, à l'époque. Les cuisines qui étaient en sous-sol, c'était complètement inondé, bien sûr. À l'époque, on avait un jeune qui était cuisinier au château de la Tremblay. Il venait en vélo. Quand il est arrivé au château, juste à la grille du château, il a fait demi-tour pour aller chercher ses bottes
pour pouvoir approcher. Le matin de l'inondation, le lieutenant des pompiers, qui s'appelait Georges Cressin à l'époque, a été chercher du cacao, du lait, etc. Il a réveillé les épiceries de Douai pour que les enfants puissent prendre leur déjeuner. J'en avais 30 cm ici. Chez ma belle-mère de l'autre côté, il y en avait 1,30 m. Et chez le voisin derrière, également 1,30 m. C'est encore nous qui en avions le moins. Alors, dans la cave, les tonnes de vin, toutes l'une par-dessus l'autre, vidées de leur contenu, puis elles se remplissaient d'eau, d'eau sale naturellement. Alors, l'eau, elle arrivait au niveau de la corniche de la maison. Là, comme ça. Le camion était garé plein de légumes. Mon beau-frère, le lendemain matin, il partait vendre ses artichauts. Il était reculé là, mais on le voyait plus. Il y avait 7 mètres d'eau. Alors, au bout d'une semaine, on a essayé de le tirer de là, et voilà, mais il a fallu le nettoyer, puis l'emmener chez le mécanicien, qui a fait le nécessaire au point de vue du moteur, parce que le moteur, il n'était pas beau. On aurait dit un espèce de champ plein de terre. C'était effrayant. D'ailleurs, vous avez vu les photos. Dans cette rue, on s'est aperçu très vite, mais qu'au petit jour seulement, c'est que par l'eau, ici il y a une canalisation d'eau potable qui va desservir le village de Tirmouche, plus haut. Et cette canalisation d'eau a été arrachée par le torrent d'eau qui venait depuis la Croix du Pé, là-bas, depuis tout en haut. Il y a eu des maires qui m'ont téléphoné en me disant s'il y a des gens qui ont besoin d'un coup de main, dites-nous-le. Il y a eu un élan de solidarité à ce moment-là. Il y a eu beaucoup d'entraide. Les voisins sont venus de toutes parts pour nous aider. On a eu de grands recours de ce côté-là. Au milieu de la côte, là, il y a un grand fossé, il y a quand même eu des bonnes buses de mise. Alors, je pense que ce serait pas quand même comme ça a été. Suite aux inondations, il a été fait un dos d'âne, là, pour éviter que l'eau s'engouffre tout de suite dans cette rue-là. Quand on voit ça maintenant à la télévision, les inondations qu'il y a dans un endroit ou dans un autre, ben, ça nous fait réfléchir dans tout ce qu'on a vu, nous. Avant cette inondation, ben, on ne s'est jamais posé de questions par rapport
à une inondation, pas à Meynier, parce que il n'y a pas de rivière, enfin, on ne comprenait pas. Mais on s'est posé des questions après, et on s'est rendu compte que l'eau arrivait aussi des vignes, et il n'y avait rien pour les retenir, alors que autrefois il y avait des haies, des fossés, c'était des retenues d'eau. Je pense que, eh bien, que les paysans, ça doit nous interpeller et travailler différemment.